à tous pour ce 16e épisode de la tête à papineau le podcast de Bistro Brain bienvenue à tous nos auditeurs on est très content de vous retrouver aujourd'hui et on espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous à partager cette science dont on va vous parler aujourd'hui un petit retour sur nos derniers événements donc on a eu le 20 avril notre 6 à 8 urgence climatique au Ciboire Saint-Laurent à Montréal qui a été un succès et on a également eu sur le, la même thématique le 13 avril environnement dont on vous a parlé à l'épisode précédent le 24 avril dernier, on a également eu la chance de collaborer pour réaliser un café scientifique sur le cancer du sein qui a eu lieu à, au couvent euh, de la rue Galt pardon, avec le groupe euh, MacPeak Sirois et des patients partenaires du euh, CRHU. Donc très intéressant également, si, si vous avez eu l'occasion euh, d'y assister, eh ben, on a trouvé ça très intéressant. On a également un événement qui a eu lieu le 11 mai, les mystères de l'esprit, et on espère que vous allez l'écouter ou que vous l'avez écouté en vrai. Le 12 mai finalement l'événement bénéfice. Ben, on espère également que pour les gens présents, vous avez apprécié ça. C'était un beau retour sur nos activités. Et puis on essaie ben, de pérenniser notre association. Pour aujourd'hui, notre émission, eh bien, on va accueillir Charlie. Bonjour Charlie, comment tu vas Hello, très bien et toi. Super. Appel. Et on va également avoir Alexis. Salut Alexis. Salut Julie, comment ça va Ça va très bien. Euh, Alexis va passer en entrevue aujourd'hui Gabriel Vézina. Bonjour Gabriel, ça va bien Bonjour, ça va très bien. Super. Et eh bien sans plus tarder, on va commencer avec Charlie qui oui. va nous parler aujourd'hui du magnésium et d'une utilisation un peu particulière. Oui, tout à fait. Donc, euh, vous allez voir avec euh, l'entrevue avec Gabriel, on va rester dans le thème pas mal environnement aujourd'hui. <laughs> Donc, oui, on va parler de poudre de magnésium puis de, de carburant. Donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près tous conscients de ce qui s'est passé avec les rapports du GIEC, etc. Donc, on est en train de frapper un mur, on va dire, avec les transports, puis notre utilisation des transports actuels. Puis, bon, pour faire un petit rappel, évidemment, tous les véhicules qui utilisent de l'essence, on connaît toutes les problématiques qui sont liées à ça. C'est pas très renouvelable comme énergie, ça pollue quand même beaucoup. Donc on essaie de trouver des alternatives. Actuellement, les gouvernements sont pas mal en train de pousser les véhicules électriques, sauf que les véhicules électriques, ce n'est pas la solution parfaite qui va régler tous nos problèmes. Euh, on a encore bah, des problèmes d'autonomie. Euh, D'où vient le courant C'est sûr qu'au Québec, on est quand même chanceux d'avoir une source qui est relativement renouvelable pour notre, notre alimentation énergétique. Ce n'est pas le cas dans plein d'autres pays du monde. Donc on peut quand même se, se, se questionner sur le bilan carbone global d'une voiture électrique. Puis il y a aussi, bah, évidemment, il faut approvisionner en électricité tous ces véhicules. Puis comment on fait Quelle technologie Qu'est-ce qu'on fait Il y a, y a beaucoup de questions qui sont autour de ça. Si on essaie de se dire, bon, euh, l'électrique, on va continuer à le développer, c'est une solution d'avenir, mais il faut trouver des solutions peut-être plus court terme aussi sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Puis il y a pas mal de, de recherches qui se font autour des carburants. Donc vous avez peut-être entendu parler bah, des biocarburants, ça je ne vais pas en parler aujourd'hui. Puis on va parler de carburants alternatifs. Donc en gros, si on se fait un petit cahier des charges, là, un carburant pour remplir sa fonction, qu'est-ce qu'il doit faire On se remet un petit peu nos cours de physique-chimie euh, secondaire 4-5. Ce que je n'ai pas eu encore. n'est <laughs> <ça. rire> pas grave, dire... je vais vous faire un petit rappel. Pour qu'il y ait quelque chose qui brûle, comme notre essence, alors c'est sûr que dans le véhicule électrique, il n'y a pas ce problème-là, mais si on veut un carburant, il faut qu'il puisse brûler. Pour qu'il puisse brûler, il faut qu'il puisse réagir avec l'oxygène. Donc déjà, ça, ça nous élimine quand même quelques-uns des, des différents matériaux ou différents euh, éléments qu'on pourrait utiliser. Il doit être présent évidemment en abondance, puis il doit être exploitable et on doit pouvoir l'extraire facilement. Donc, c'est le problème avec le, le carburant actuel, avec le pétrole. Euh, bah, il n'est pas présent dans une quantité illimitée ou très importante sur Terre, puis on est en train de manger pas mal les réserves. Puis pour l'extraire, bon, je, vais, je vais passer rapidement là-dessus, mais on sait les, les désastres écologiques que ça peut être d'extraire du pétrole. Troisième point, ça doit être léger. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour, pour pourquoi ça doit être léger, mais pour réagir plus facilement, etc. Il faut que ça soit quand même quelque chose de léger. Donc on élimine comme toutes les dernières lignes du tableau périodique avec euh, tous les éléments nucléaires, etc. C'est poubelle directe. Puis, si on peut essayer, ça doit produire des résidus, une fois que ça a brûlé, qui sont non toxiques. Ce n'est pas le cas du pétrole. On connaît tout ce qui sort d'un pot d'échappement d'une voiture. Tout ça, c'est toxique. Ben, si on peut, on va essayer d'éviter. Question pour vous est-ce que vous avez une idée, on parle de métaux, est-ce que vous avez une idée des trois métaux qui sont le plus présents sur Terre en, en vraiment plus grande quantité Le fer. Le fer. Il en reste deux. L'or. Non, l'or, non. <laughs> l'aluminium. Le deuxième. Oh oui. Une drôle réplique, la Le magnésium. Oui, <laughs> c'est le titre de ma chronique, c'est ah, le troisième. Bon, on <laughs> Donc on a l'aluminium, le fer, le magnésium, puis ces trois matériaux métalliques, on va dire, ces trois métaux. On en trouve partout, c'est super facile à extraire, etc. Puis en fait, on en utilise déjà dans notre quotidien. Donc, il y a des recherches qui se disent hey, pourquoi on ne pourrait pas comme, essayer d'utiliser ces choses-là plutôt que du pétrole okay? En réalité, euh, aluminium, fer, magnésium, bah, ça fait longtemps qu'on les utilise comme carburant. En fait, vous en avez dans les feux d'artifice, par exemple, et en fait, vous en avez dans les fusées. Parce que le carburant qu'on fait euh, classiquement, on va dire, il n'est pas assez efficace pour les fusées. Donc, il faut le, il faut le booster un peu, il faut le renforcer. Et pour ça, on utilise des poudres métalliques. Euh, notamment bah, le magnésium qui est quand même déjà utilisé. Donc ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est quand même déjà établi comme technologie. Donc l'idée, bah, c'est faut faire brûler ces poudres métalliques. Bon, sur le principe, ça paraît pas fou puisqu'on sait déjà le faire, mais pourquoi c'est pas tant poussé, puis pourquoi c'est pas tant développé Bah En fait, il n'y a pas beaucoup d'argent qui est mis dans la recherche là-dessus. <laughs> c'est Actuellement, c'est l'état des lieux des choses, c'est ça, mais il y a quand même des petits, euh, des petits développements qui se font. Donc la question c'est, est-ce qu'on pourrait remplacer notre essence classique, on va dire, directement dans nos moteurs qu'on connaît déjà, par euh, des poudres métalliques Je vais faire peut-être un petit rappel sur le fonctionnement d'un moteur, c'est assez simple, on injecte dans un cylindre de euh, l'essence qui est en très fine gouttelette, donc euh, quasi... l'essence n'est pas liquide, elle est quasiment gazeuse, avec de l'air, on, euh, on crée une combustion en mettant une petite étincelle, on fait brûler ça, ça fait descendre mon piston, mon piston il remonte par inertie, puis on recommence ça plein de fois à chaque minute pour Faire fonctionner notre moteur, donc je vous l'ai dit là-dedans, on met juste du gaz, on met de l'air et on met de l'essence qui est sous forme gazeuse. Donc, si on commence à mettre des poudres métalliques, ça marche plus. <laughs> euh, les soupapes, qui est notre système qui nous permet euh, de faire rentrer notre essence et de l'évacuer, d'évacuer les gaz brûlés, ça va s'encrasser, ça risque d'abîmer un peu tous les cylindres et tout. Donc, c'est pas c'est pas adaptable directement dans les moteurs qu'on connaît euh, depuis euh, 100 ans, le, le moteur thermique qu'on a l'habitude d'utiliser, mais en fait. Il n'y a pas que ce moteur qui existe. Ce moteur thermique, comme on le connaît, que vous avez dans tous vos chars, dans tous les camions, etc., euh, ça fait euh, 120, 130 ans qu'on l'utilise. Mais c'est pas le seul qui a été développé. Il a été choisi parce que c'était le plus efficace. Mais on a aussi le moteur Stirling qui existe. Alors le moteur Stirling, c'est un truc très complexe de thermodynamique. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il faut simplement retenir qu'il est basé sur un principe simple. C'est on va alternativement chauffer, et refroidir un gaz, puis Rappel de cours de secondaire, quand je refroidis ou que je réchauffe un gaz, sa pression change. Donc je vais jouer sur ces changements de pression pour faire bouger mon cylindre. Ça, c'est le, le fonctionnement vraiment basique, vraiment simplifié. Et en fait, l'avantage qu'on a, c'est que euh, dans un système moteur steering, la combustion, elle ne se fait pas dans le cylindre en elle-même, elle se fait à côté. Ce qui fait que tout le problème des poudres métalliques qui brûlent, etc., ben là, ça ne peut rien venir encrasser, en fait, parce que ça se fait à part, on peut évacuer très bien, ça fonctionne super bien. Puis euh, l'avantage du moteur Stirling, que ce soit une combustion qui est faite à l'extérieur du cylindre, bah, c'est qu'avec un filtre, en fait, on pourrait récupérer 99% de ce qui est brûlé, et ça c'est des oxydes de magnésium, et ça en fait on peut le réutiliser pour refaire du magnésium. Donc on est quasiment 100% recyclable sur le, 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 la durée de vie, on va dire, du moteur. Donc on, on serait capable quand même de, de quasi arriver à ce qu'on appelle un moteur zéro émission, ou très très peu de déchets qui sont créés par ces moteurs là. Bon, évidemment. Euh, si ça paraît aussi beau que ça et que c'est pas utilisé, c'est que en, fait, en réalité, ce pas aussi beau que ça. C'est trop beau pour être <laughs> oui, bah, ça, ça existe. Euh, ça fait rêver en fait beaucoup de scientifiques parce que c'est un moteur qui aurait un rendement quasi parfait. Genre, notre moteur, à nous, il a un rendement de 30%. C'est-à-dire que si vous mettez de une certaine quantité d'énergie, que vous fournissez une certaine quantité d'énergie, il y a que 30% de cette énergie qui va être utile pour ce que vous voulez faire. Donc C'est-à-dire votre moteur, il bah, n'y a que 30% de cette énergie qui va être utilisée pour faire avancer les roues. Euh, moteur Sterling, on serait capable théoriquement dans un monde parfait d'atteindre les 100 ou pas loin, et les moteurs électriques actuels, on est à 90-95 Donc, ça paraît quand même assez assez bah, assez puissant comme technologie, on va dire. Mais en fait, le défaut, c'est que réchauffer, refroidir un gaz, on n'est pas capable de faire ça. À, bah, on est capable de faire ça à des petits cycles, on va dire une ou deux fois par seconde. Mais quand on commence à monter au régime qu'on voudrait donner à un moteur, puis à la vitesse qu'on voudrait donner à un moteur, bah, on, on n'a pas vraiment de technologie qui, qui permet de suivre et de refroidir et de réchauffer aussi rapidement des gaz. Donc, en fait, on frappe comme un petit peu un mur actuellement. On n'a pas la technologie qu'il faut pour que le moteur Stirling se développe suffisamment pour remplacer nos moteurs thermiques. Donc, euh, en fait, ce qui est fait, il y a des recherches qui sont faites dans un, un groupe de recherche en France. C'est... On va créer un petit moteur Stirling qui utilise la poudre de magnésium comme carburant, mais ce moteur Stirling, il va servir à alimenter une batterie qui elle alimente un moteur électrique. <laughs> Donc on rentre dans des mélanges de technologies, mais l'objectif ça serait de un petit peu combler le problème de l'électrique qui est bah, je n'ai pas forcément une grande autonomie. Puis, euh, bah, si je n'ai pas de borne de recharge, je suis un peu dans la. Euh, <laughs> sur la route. Donc, ça permettrait, en fait, ça, ça ressemblerait à un moteur hybride, un petit peu conçu différemment, mais qui utiliserait au moins un carburant bah, qui est quasi à 100% recyclable et qui, est beaucoup moins, qui, qui pollue beaucoup moins que, que nos carburants traditionnels. Donc, ça, ça résoudrait quand même une partie du problème. Donc, ben, Actuellement, on en est là. On attend de voir les développements que ça va avoir, ces, ces technologies-là, mais on voit que ça bouge quand même pas mal dans, dans le domaine du transport. Puis ben, J'ai bien hâte de voir comment, comment ça va évoluer dans, dans les années qui s'en viennent. Super intéressant. Mais merci beaucoup, Charlie. Moi, je ne savais pas du tout que le magnésium, ça pouvait être utilisé. Je savais que c'était utilisé comme comburant, mais je ne savais pas du tout que dans les voitures. Ben, moi ça... aussi, je l'ai découvert. J'ai vu l'article. Je oh, je veux parler de ça. <laughs> Et est-ce que tu sais, moi j'ai une petite question comme ça. Est-ce que tu sais justement si le petit moteur stirling dont tu parlais dans le groupe de recherche, est-ce que le... le... Le taux justement d'utilisation d'énergie en pourcentage, c'est aussi proche de 100% euh, Ils ne le précisaient pas dans les publications qu'ils ont fait, puis je pense c'est quand même encore très expérimental. Puis c'est quand même encore, à l'heure actuelle, ce n'est pas à l'état de prototype roulant, c'est comme un gros moteur sterling qui est comme un laboratoire pour faire des tests, etc. Okay. C'est comme leur vision des choses à moyen terme, on va dire, ça serait de développer ça. Donc euh, on n'a pas trop d'informations, ils ont, ils ont plutôt parlé de la technologie, plutôt vraiment que où est-ce que ça a ramené, on va dire, réellement. Là. Mais euh, il, plus, il développait plus l'idée que, que okay. le prototype en lui-même. Super, ben merci encore pour cette, cette super ouais, chronique, plaisir. Charlie. Et puis on va tous vous retrouver dans quelques secondes pour la deuxième partie de notre podcast qui va rester sur la même thématique de l'environnement. Bienvenue tout le monde. On est donc de retour pour cette deuxième partie de l'épisode de La tête à Papineau. Et je vais laisser la parole à, Alex à Alexis qui va tout de suite introduire son invité. Bien, merci Julie. On a la chance aujourd'hui de recevoir Gabriel Vézina, qui est cofondateur de l'entreprise Carbon New, qui a récemment gagné le prestigieux prix XPRIZE Carbon Removal, euh, volet étudiant, accompagné d'une bourse de 250 000 et qui a été lancé par un certain Elon Musk. Donc, euh, bienvenue parmi nous, Gabriel. Merci Alexis. Très heureux de te recevoir aujourd'hui. D'abord, ben, toutes nos félicitations pour ce prix-là. Ça vaut quand même la peine de souligner. C'est un concours international à travers euh, toutes euh, les nationalités, les universités que vous pouvez imaginer. Donc, félicitations. Merci. Donc, euh, avant d'arriver là, il y a un parcours, il y a un étudiant. Euh, tu as fait ton parcours à l'Université de Sherbrooke. Tu as complété un doctorat en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke sous la direction de professeur Martin Brouillette sur la mécanique des fluides. Rappellerait peut-être une petite chronique <laughs> qu'on a eue à la tête à Papineau. Est-ce que tu pourrais nous en parler davantage Bien sûr. Le projet qu'on avait qu'on a commencé en 2014, c'était de faire un nouveau système de combustion pour des moteurs euh, dans des environnements sans apport d'oxygène. Donc comment on fait pour faire brûler un carburant sans oxygène Tu pas le choix d'apporter ton carburant et ton comburant mélanger ensemble. Typiquement, on appelle ça des explosifs. Donc comment on fait pour contrôler la combustion d'un explosif d'un moteur à combustion interne L'avantage de ces moteurs-là, c'est qu'on peut utiliser ça sans oxygène. Donc soit à très haute altitude, dans des environnements spatiaux ou sous-marins. Et ces applications-là, ça demande un contrôle de carburant et qu'un comburant, qui peut être un peu dangereux considérant que c'est un explosif. Donc, comment tu fais pour contrôler cette puissance-là d'un moteur hein, et euh, le dompter? On dirait euh, retour à l'origine de l'espèce, euh, contrôler la technologie comme le feu, mais là, on est vraiment comme dans un, niveau, euh, un autre niveau d'échelle complètement. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé la fondation de l'entreprise Car Renew il y a de cela trois ans? Est-ce qu'il y a eu un moment eureka? Bien, le, le projet a commencé en 2018, en fin 2018, et on, mon partenaire, qui était dans le temps, mon professeur Martin Brouillette, on voulait chercher un projet pour l'environnement. Comment on peut rendre nos compétences d'ingénierie utiles à la société et en valorisant nos compétences? Et après plusieurs remues-ménages, on est convergé vers des systèmes de capture du carbone où ça combine des systèmes de. De, des thermodynamique, de mécanique des fluides, de conception moteur ou de conception système et d'optimisation de l'énergie. Donc on dit nos compétences sont utiles à ce type de problématique là et on avait le goût de lancer un projet qui pourrait avoir un, un, un effet bénéfique à l'échelle planétaire. Donc considérant le, la problématique des changements climatiques qui est un, un très très gros problème, les solutions doivent être à l'échelle colossale. Donc dès le départ on a dit on cherche des solutions qui peuvent être euh, mises à l'échelle pour du très très gros volume. Donc après, on a commencé à regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire, puis on a convergé assez rapidement sur des technologies de capture du carbone directement de l'air. Et là, on a regardé un peu les compétiteurs, qu'est-ce qui se faisait déjà dans ce temps-là, parce que c'est pas nouveau ce principe-là, ça fait environ 20 ans et plus que des gens s'intéressent à ça. Mais là, disons qu'avec l'urgence climatique, bien, le monde s'intéresse de plus en plus à ça, et bien ça, ça fait un boule de neige partout sur la planète. Et en ce moment, bien, on a regardé les technologies, les avantages et les inconvénients de chacune, jusqu'à temps qu'on ait une bonne idée disons qu'on trouve que c'était une suffisamment bonne idée pour lancer un projet de recherche pour expérimenter ça puis après ben là c'était notre moment eureka qu'on dit on se lance là dedans on va voir où ça va aller on pense que c'est une bonne idée puis à date bien, il y a plusieurs personnes qui trouvent c'est des bonnes idées parce qu'ils nous donnent du financement <laughs> quand même pas n'importe quel financement merci pour euh, la petite histoire euh, concrètement là, la technologie de recapture du carbone comment est-ce que ça fonctionne Bien, il y a plusieurs technologies qui existent. Nous, on utilise un matériau solide qu'on appelle un adsorbant. Ce matériau a plein de petits pores dedans dans lequel on vient greffer un matériau qui a une particularité qui a une affinité avec le CO2, que lui est capable que quand le CO2 passe au-dessus du matériau, lui, il va l'accrocher et le garder fixé après le matériau. Donc, on peut simplifier ça comme étant une éponge. L'éponge, quand on passe un écoulement de gaz autour de l'éponge, l'éponge absorbe le CO2 à sa surface. Et après, bien, une fois que l'éponge est saturée de CO2, on la change à un nouveau réacteur qu'on appelle un réacteur de régénération. Et là, on nettoie l'éponge pour retirer le CO2 de l'éponge à haute concentration. Et une fois que l'éponge a été libérée, euh, nettoyée, on la remet dans un réacteur d'absorption où on fait circuler du gaz autour de l'éponge. Et le but, c'est de faire le cycle adsorption-cogénération, capture et libération de CO2 le plus vite possible, en nécessitant le moins d'énergie possible, avec le moins de matériaux possible. Donc, j'imagine que ce pas les mêmes éponges qu'on achète au canadien de qu'on échange après euh, cinq <laughs> semaines. On veut un matériau qui est vraiment durable et renouvelable. Oui, mais c'est un matériau... Euh, nous, on utilise un matériau qui euh, euh, est assez abondant à l'échelle planétaire, on dit à base de silicium, hein, et ce mmh. matériau qu'on peut euh, modifier facilement la grosseur des pores dans le matériau, ce matériau disons de science hein, qui est mais relativement abordable quand même, qui est assez connu euh, à la base euh, par euh, communauté scientifique, dans lequel que nous on met notre propre matériau qu'un polymère dedans, et là ben, c'est un peu notre secret, notre recette miracle de comment <laughs> on fait notre bon polymère hein, et notre bon matériau pour pouvoir euh, l'utiliser. Mais à la base c'est pas un des produits qui sont toxiques pour l'environnement et qui sont pas très Wow, ça semble vraiment être la parfaite solution. Euh, mis à part toi, Martin Brouillette, c'est une équipe de 10 personnes. De qui est composée cette équipe Et toi, particulièrement, quel rôle est-ce que tu y joues les... Au début, mon partenaire Martin Brouillette et moi, on a lancé les idées. Puis rapidement, ben, on, a... on est arrivé à un point où on dit ben, on doit expérimenter la technologie. On était juste deux dans le projet à cette étape-là. On n'a pas eu le choix de recruter d'autres personnes pour ça. Donc, on a pris des stagiaires des étudiants en génie mécanique, qui sont Marc-Antoine Lacroix, Alexandre Camiré, David Chartrand et Antoine Gagné, qui, eux, ont été les premiers stagiaires à travailler sur la technologie pour un peu débroussailler ça, pour voir est-ce que ça fonctionne. Ces étudiants-là, ils ont bien aimé le projet, sont devenus, après, rentrés dans un projet de maîtrise sur ce projet-là et sont des cofondateurs avec Martin et moi de l'entreprise Carinou. Et après, ben, de suite, de, en aiguille, ben, ça continue à développer d'autres tests, d'autres expérimentations, d'autres validations. Et là, maintenant, on a quatre nouveaux étudiants qui sont rentrés sur le projet aussi. On est en, en, en ce moment une équipe de dix. Wow! Et puis toi, tu es euh, directeur technique, hein? je pense que tu me disais. Officiellement, mon poste, est un professionnel de recherche à l'Université de Sherbrooke. Mm -hmm. Pratiquement, je suis plus un, un responsable technologie et... Euh, Homme à tout faire dans le projet. Ok, d'accord. <laughs> c'est on, on s'imagine bien que ça peut aller dans tous les sens. Um, tu parles, on parle de ton projet, là, tu sais, c'est comme, oh, vous avez une grosse bourse, les, vous avez trouvé un matériau, vous avez trouvé quelque chose qui ne se faisait pas auparavant, ça a l'air de tout bien fonctionner, mais moi, je me demande, est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées à travers votre projet? Oh, que les difficultés techniques on en rencontre tous les jours. Disons, les véritables difficultés, c'est en ce moment, on est euh, un lab universitaire, hein, qu'on développe une technologie, qu'on vise une très grande échelle et nécessairement, ça va décider de sortir de l'université, faire une entreprise, une un jeune pousse technologique à l'extérieur de l'université. Et bien, on est comme entre deux. La technologie n'est pas finie d'être développée. Il ben, y a encore du travail scientifique à faire et il y a un engouement sur euh, l'entrepreneuriat et développer cette technologie-là. Donc, trouver le juste milieu entre développer la technologie et amener ça à une entreprise, puis en ce moment, de ne pas se, se perdre dans ce processus-là pour être emballé par l'entrepreneuriat à défaut d'avoir fini de développer la technologie. Oui, c'est ça. Il faut mettre la charrette devant les bœufs pour utiliser une vieille expression. Euh, prochaine question. Quelles ambitions vous avez pour le projet de parler justement d'entrepreneuriat, de, de mise à l'échelle? Ce serait quoi votre vision à long terme? l'ampleur des problèmes de changement climatique et l'utilisation de la capture du carbone vont nécessiter des, des solutions à très grande échelle. Et donc, nous, on espère faire partie des joueurs qui vont devenir des multinationales, qui vont traiter le gaz à grande échelle euh, et à à moyen et long terme, on espère être un de ces joueurs-là entrepreneuriales qui devraient devenir une multinationale. Et qu'est-ce qui est beau là-dedans? C'est qu'il n'y aura pas un seul joueur qui va dominer le marché. Il y aura des dizaines de multinationales de très grosse ampleur qui vont tous être à travailler de leur côté, à développer des technologies et utiliser les technologies. Il n'y aura pas un seul joueur. Ça, c'est intéressant à savoir pour ça. Et on espère être de ces, de ces équipes-là. Donc, c'est vraiment la compétition qui va être profitable pour la société. <laughs> D'accord. Euh, je lance justement une question surprise. Euh, <laughs> on t'a reçu à notre dernier événement euh, environnement le 13 avril à Sherbrooke. Euh, j'ai eu l'occasion de faire une pré-entrevue avec toi. Aujourd'hui, on t'entend. Tu t'exprimes vraiment bien. Tu as un fil des très clair. Puis tu me parlais justement de cet euh, engouement-là que tu avais justement à expliquer des choses. Pourrais-tu de nous en parler un peu euh, Tu as eu des charges de cours Parle un peu de ton expérience Oui, totalement. Euh, à travers mon parcours académique, j'ai eu les la chance de faire des auxiliaires d'enseignement pour mm -hmm. aider les étudiants entre euh, les exercices dirigés et euh, les charges de cours aussi. Donc, euh, j'ai toujours aimé transférer les connaissances ou faire la vulgarisation scientifique. Donc, euh, je trouve ça important d'avoir, euh, euh, de rendre accessible la science pour rendre euh, la prochaine génération et ceux qui sont en développement ou euh, qui ne sont pas descendre dans ce domaine-là, d'acquérir ces connaissances-là pour les rendre accessibles. Donc souvent, on dit que le, 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 la connaissance est gratuite, mais elle n'est pas accessible. Donc la vulgarisation permet ce euh, transfert de connaissances-là, et ça demande de la vulgarisation scientifique. En tout cas, tu l'incarnes vraiment bien pour ça. Fait encore une autre félicitation. Ce peut-être pas une bourse de 250 000 <laughs> mais quand même, on, on, on est bien content Puis, c'est en plein parallèle avec ce qu'on fait comme promotion à Mister Brain. Euh, J'enchaîne avec la dernière question. Quelle place crois-tu justement que la vulgarisation scientifique devrait avoir dans la société C'est comme une petite question fétiche, une autre surprise. <laughs> je trouve que les initiatives comme Bistro Brain sont, sont requises. Il devrait en avoir plus parce que je trouve que, comme je, je venais de dire, le, la connaissance est gratuite souvent, mais pas accessible. Et surtout quand tu n'es pas quelqu'un issu du domaine, c'est difficile de se retrouver dans ce, ce charabia-là d'informations. Donc la vulgarisation est requise. Heureusement, avec les moyens technologiques, les YouTube et autres, c'est de plus en plus facile, mais ça demande beaucoup de personnes qui travaillent à faire la vulgarisation. On est dans un bon, euh, un bon mouvement de ce côté-là, mais je pense qu'il doit être de, en avoir de plus en plus et euh, mieux diffuser les sources disponibles. Exactement, diffusion de savoir euh, accessible, <laughs> de savoir scientifique accessible. <laughs> c'est en pleine admission. Donc, euh, merci pour l'entrevue. Gabriel, euh, comment est-ce qu'on peut te suivre dans tes projets, là? savoir euh, où est-ce qu'il va être Sky Renew dans cinq ans? Est-ce qu'on va être rendu dans 10 euh, continents, euh, y compris euh, <laughs> l'intergalaxie? Inter, euh, Je ne sais pas. On, on, on vous suit comment? Ben, le plus simple, c'est d'aller nous voir directement sur notre site web à skyrenew.com. S-K-Y-R-E-N-U. Mm -hmm. ou via les services de plateformes de médias sociaux, qu'on est disponible sur Facebook, LinkedIn et Twitter, sur les trois plateformes-là sous le nom SkyWeNew. Et ouais, puis on pourra mettre aussi tous les liens euh, en, en description de l'épisode sur YouTube si, euh, si ça vous intéresse, puis sur nos plateformes aussi. Ben oui, tout à fait. Donc okay, merci bien. encore une fois Gabriel pour l'entrevue. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup Gabriel pour cette superbe entrevue. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. Charlie, merci également pour ta chronique. Euh, on vous invite à nos prochains événements qui vont être d'ici le 17 juin. Donc on va avoir un 6 à 8 capitalisme et lutte des classes au Ciboire Saint-Laurent à Montréal le 18 mai. On va également avoir notre dernière formation de l'année qui va avoir lieu le 25 mai. Formation en vulgarisation scientifique et plateforme numérique animée par Thomas Milan. Cette formation sera diffusée en ligne. Et finalement, le 8 juin, nous aurons également les grandes découvertes de l'UDES, auxquelles vous êtes tous invités en grand nombre au Théâtre Granada, qui va avoir lieu à 19h. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez apprécié cet épisode, invitez un de vos amis à venir nous écouter.